Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa C'est Diamant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tirage au sort de notre projet avec Alex de la chaîne Alex et ses passions. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description comme d'habitude. Et bien ça avance, hein. Mine de rien, on est à la 10e case je crois. Alors, on va regarder ça. On en a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, on va faire la 10e case. Eh ben, dis donc. Ça avance, ça avance. Pardon, j'ai bu une petite goutte de café. J'espère que vous, ça se passe bien, que votre défi se passe bien. On va faire le petit tirage au sort tout de suite. Je vais regarder ma... Oui, c'est un bien à moi de faire le tirage au sort. Je ne me suis pas trompée. Ça sera pour le dimanche 21. Et après, le prochain tirage, ça sera le 4 février. Et ce sera Alex. Donc, on va sortir la roulette. Cacahuète. Alors, petite roulette, où es-tu? Je vais baisser le son. Je vais mettre un peu de son quand même. Alex, j'ai pas enlevé le 1, donc il va falloir que je l'enlève. Hop, hop. Est-ce que j'ai enlevé les autres numéros? Oui. Oui. Toc, 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 toc. Oui, voilà. J'avais juste... pas fait le dernier tirage. Alors on y va, c'est parti. Et ben on y va. Après je vous montrerai mon avancée. Vous voyez le reflet de la lumière, je suis désolée. Et c'est le numéro 35. Je vais l'enlever tout de suite de la roulette. Voilà, hop. J'éteins la tablette. Alors, moi, le 35, il se trouve où? Eh bien, ici. Ici. 35. Voilà. Alors, on va regarder si j'ai bien fait mes cases. Surprise, surprise. Mais bon, celles qui sont sur le groupe le savent, si j'ai fait ma case ou pas. Alors, je pousse un peu ma tasse. J'espère que vous voyez bien, parce que ça s'assombrit par moments. Ils avaient fait tout un pataquès pour la vigilance orange. On n'a rien eu, il n'y a pas eu de car. Non, mais c'est du grand n'importe quoi chez nous dans le Loiret, franchement. Et maintenant, ils disent que c'est pour ce soir. Donc, on verra bien. Donc voilà, mes cases sont bien faites. J'ai bien mes 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e qui est ici. Et cette semaine, c'était celle-ci que j'ai faite. Enfin, elle est pour la 15e. Donc là, c'est celle-ci. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, celle-ci. Est-ce qu'elle va être confetti? Non, elle sera un peu plus bloc. Donc, ça devrait aller. Parce que, dis donc, là, mine de rien, il y avait de la couleur. Peut-être vous zoomer un petit peu. Mais bon, c'est ça qui forme les détails aussi. Il va falloir que je me lime mon ongle parce que sinon, je m'accroche. Je vais accrocher le fil. Elle est magnifique. Cette toile, je l'ai eue en partenariat avec la société Vipcroft Stitch. Elle a 46 couleurs et j'ai toujours mon petit code promotionnel de 10% avec Vanessa10 que je vous mets en barre de description si cela vous intéresse. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, 10% de réduction, c'est pas négligeable. Donc, je vous la montre. Elle est magnifique. Magnifique. Bon, j'ai dépassé un peu, je me suis trompée. Ici, j'ai descendu un petit peu.
Parce que je causais, je dis, bah mince. J'ai fait, oh, bah trop tard, bah, j'ai pas d'effet. Bah tant pis. Voilà. Je vous remontre le modèle de la pochette. Voilà. Et ben on va faire un petit peu de brodage ensemble. Je sais pas si on dit brodage. Broder. Brodage, ça doit pas exister. Si, oui, non, je ne sais pas. Moi, je voulais faire une petite aparté. Je voulais remercier infiniment Alexandra quand elle a fait son tirage et qu'elle a fait son montage avec toutes les photos qu'elle montre. Ça doit lui prendre un temps fou. Merci, ma petite Alex, de faire ça. C'est magnifique. J'aime beaucoup regarder les toiles des copines les unes après les autres, voir l'avancée toutes les quinzaines. Enfin, là, ça fait une fois par mois que tu fais un montage. Donc, on voit les avancées de 4 semaines, pardon. Et c'est vraiment magnifique. Merci à toi infiniment pour ce partage et pour cette patience que tu as à faire ces montages. Voilà, je te fais des gros bisous. Alors, on va plier. Et je vais faire... Et bah tiens, on va faire le 11. C'est du blanc. C'est du 760. C'est du blanc. Non, c'est du beige. Du 762. Alors, j'ai écouté les conseils de ma petite Alex. Je me suis acheté les anneaux comme ceci sur Amazon, qui est très pratique. Et du coup, j'ai fait quoi de mon aiguille ? Elle est là. C'est pas comme si que j'avais pas de cover minder pour mettre tout ça. Hein. J'en avais sorti, mais je les ai laissés là-bas. Alors, le numéro 11. Vous voyez, c'est pratique. On regarde les numéros. Moi, j'ai tout noté. Et le numéro 11, il est dans les grosses. Et les grosses, comme ça, je les ai laissées en... Les grosses plaquettes. Je sais pas si on dit des plaquettes. Et ben moi, je les ai laissées comme ça. Et voilà. Je prends mon fil. Hop. Et c'est très pratique, cet anneau. Ça va bien plus vite. Je ne sais pas si la vidéo va être longue. Sinon, je vous la ferai en deux parties. Peut-être vous zoomer un petit peu plus. Voilà. Je voulais faire aussi un gros bisou au Valérie. Soignez-vous bien. Valérie, ma petite Normande. Elle n'a plus de voix, ça fait déjà... un petit moment. J'espère que ça va aller. Parce que ça doit être vraiment désagréable de plus avoir de voix. Ça fait déjà 8 jours, je crois, maintenant, que ça traîne. Bon, elle a été chez le médecin et tout, mais ça n'a pas l'air de se guérir. Alors, je te fais des gros bisous. Ma petite Valérie, la Belge, elle a eu son infiltration. Donc, je te fais des gros bisous aussi. Aux filles aussi, à Karine, à Aurore, à Marion... À Alex, moi je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les filles. Je ne suis pas très présente en ce moment en visio. Je suis désolée. On était dans les préparations pour l'année prochaine pour ma fille. Là, on regarde pour le mariage, on regarde à droite à gauche, on se renseigne, voilà. Et puis là, cette semaine, je suis de l'après-midi, donc je ne peux pas faire du visio. Je finis à 19h. Je suis midi 19h. Bon, aujourd'hui, ça va aller. Bon, l'humidité, c'est pas trop que ça m'enchante, hein, parce que mon genou, dès qu'il fait humide, mon genou et mon pied, ça va pas. De toute façon, je l'ai dit à ma collègue hier. Je dis, ils annoncent ça, ils disent qu'on est en vigilance orange. Je dis, tu vas voir, on va avoir la pluie. Elle arrive plus tôt que prévu, et ben pas loupé, parce que j'avais mal à ma jambe. Et quand j'ai mal à ma jambe, l'humidité, je le ressens de suite. Vous voyez bien, oui, je me trompe pas. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, non, ça va aller, c'est bon. Je pense que ça va aller un peu plus vite là. Il n'y a pas beaucoup de... C'est plus bloc.
pas trop confetti. Un peu de ménage, j'ai mes mains qui sont, c'est pas la première fois que je vous le dis, ils sont la javel. Moi j'adore la javel, j'adore l'odeur de la javel. C'est mon dépit de mon mari, il en a marre parce qu'il aime pas cette odeur. Enfin, il aime pas les odeurs fortes comme les bougies qui sentent fortes, choses comme ça. Il est très sensible, il a un odorat très sensible, et là depuis son opération c'est encore pire. Vraiment, quand j'allume des bougies, c'est vraiment des bougies, comment dire, des senteurs très légères, et voilà. Pas que, par exemple, que je mette cerise ou voilà, des choses comme ça, trop fortes. Parce que ça lui prend la tête et c'est désagréable pour lui. Toujours autant agréable à faire cette toile. Elle commence vraiment à s'assouplir. Ça, c'est bien. Vous avez vu ma vidéo de mes projets 2024. Je pense que vous allez la voir avant celle-là. Je ne sais plus. Bon, sinon, vous allez la voir. Non, vous allez peut-être la voir après. Je me prends une petite goutte de café, vous permettez? Prenez-vous un petit café, hein. Allez-y. On a vraiment eu froid ces jours-ci, là. Là, aujourd'hui, on a 3. Hier, il faisait moins 8. Comment vous dire? Ne pas attraper des microbes et comment ne pas être malade. J'étais pas très très bien hier, ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu un coup de mou. Faudrait que j'aille peut-être à la pharmacie me faire une petite cure de magnésium ou de vitamine, quelque chose pour me rebooster. Pourtant, je dors bien. Je dors plus que d'habitude en ce moment. Je suis contente. C'est moi qui dormais pas trop trop. Enfin, plus des siestes que dormir dans mon lit la nuit, quoi. Et je dors un peu plus. Ça fait plaisir. Mon sommeil est réparateur. Je vois les filles aussi qui me tentent beaucoup avec leur toile en fil de soie, mais j'arrive pas à dompter. Enfin, je sais que j'en avais une que j'avais achetée il y a déjà un moment. C'était des carpes koi. Et j'ai même pas pris un ciseau. Oh, je me relève. Ah là, elle est juste là. Je ne me relève pas la feignasse. Vous avez vu ça un peu. Voilà. J'ai pris mon cover minder que j'avais eu à Delphine. Pas de nouvelles de Delphine, je sais pas ce qu'elle devient. Sa chaîne, je vois qu'elle met plus de vidéos, donc j'espère que tout va bien pour elle. Je lui avais envoyé un mail, mais pas de réponse. Donc, je ne sais pas. Donc, j'étais en train de vous dire quoi. Je ne sais plus. Ah oui, que je voulais faire une cure de vitamine ou de magnésium. J'en avais fait une l'année dernière. Ouais, ça m'avait fait du bien. Ah, ça n'arrive pas. Quel calme.
si jamais le gros bins à la maison, hein, plus d'enfants en bas âge, mais des fois dans les vidéos entre le toutoune et puis chouchou, excusez-moi, je vous mets en pause, j'ouvre la porte au chien, excusez-moi, je vous mets en pause, j'ouvre la porte au chat. J'ai dit un jour, je vais changer le nom de ma chaîne, ça va être Vanessa son café et ses animaux, un truc dans le genre. Bah, vous allez voir une vidéo où je vous montre tout de chouchou qui dort en bout de table. J'entends du bruit. Est-ce que c'est mon mari qui revient? J'ai pas vu. J'ai pas regardé l'heure à combien de temps il est parti. Oh, ça fait qu'une demi-heure. Je ne sais pas. En plus, il va falloir que j'aille chercher mon linge. Je vais étendre mon linge. Et après, j'aurai plus que ça. Et après, me préparer pour aller au travail. Mais bon, j'ai encore 2 heures devant moi. Ça va aller. Pouvoir enlever une couche aujourd'hui. Parce que travailler avec un pull, une veste, une autre veste. Pas très agréable de travailler avec plein de couches, mais il faut bien se protéger du froid. Je sais pas si vous arrivez à voir la couleur. Si. Alors, on va reprendre là-haut. On va prendre dans l'ordre. Toujours je mets ara et toujours je pique. Voilà. On va essayer de finir le fil et après je vais vous laisser là. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Moi j'aime bien broder et parler avec vous. Prochain tirage, ce sera le 4 février, ce sera Alex. Déjà, on sera au mois de février. Mon Dieu. Déjà, les 15 jours, je trouve que ça passe vite. Non, mais vous rendez compte, on a fait le 10e tirage au sort. C'est dingue quand même. Ça va, j'arrive à m'organiser, sauf que des fois, j'ai eu 2-3 cases où c'était short, hein, comme c'était très confetti. Je la fais en plusieurs étapes. Des fois, je dis, bon, bah aujourd'hui, je vais faire cette couleur. Allez, hop, je me prends, je fais cette couleur. Des fois, je fais une pause. Après, je fais autre chose. Et je me dis, bon, allez, aujourd'hui, je me mets dessus. Oui, c'est ça que je parlais des fils de soie tout à l'heure. Je reviens dessus. Ouais. Isa et Laure parlent beaucoup des fils de soie. Moi, j'en avais une avec des carpes koi. Je l'ai abandonnée parce que j'y arrivais pas. Alors, peut-être que je réessaye tranquillement, sans stress, parce qu'elle montre des toiles vraiment magnifiques. Des beaux paysages qui me plaisent énormément, mais en fil de... Énormément, pardon. Mais en fil de soie, j'ai peur que j'y arrive pas. Alors, je vais essayer de suivre leurs conseils. Et je vais essayer de réessayer. Voilà. Et je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages. Tous vos gentils messages. Messages voilà, d'amour, de soutien, de conseils. Merci à vous. J'essaye d'y répondre quand je peux, si vous avez une question ou une suggestion.
Moi, je vais vous abandonner. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si le cœur vous en dit, c'est pas une obligation. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on a fait ceci ensemble. C'est quelques petites croix. Je vous la remonte, je dézoome peut-être un petit peu. Ça veut pas? Voilà. Je mets mon aiguille là pour pas la perdre. Et voilà, elle est magnifique. Je plie pour pas la salir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye tout le monde.